Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Pour bien commencer notre fin de semaine, comme à tous les samedis, on rejoint notre ami l'abbé Stéphane Roy et l'homélie par quelqu'un qu'on aime beaucoup, fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, et je suis très content de son retour, le Père Jean. Bonjour à toi, bon samedi, et bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, je te partageais une citation de Maurice Zundel à des étudiants de Lausanne. Il y a la même distance entre nous-mêmes et nous-mêmes qu'entre nous-mêmes et Dieu, qui est le seul chemin de nous-mêmes à nous-mêmes. Eh bien, dans un essai de commentaire, de partage, très personnel, et tu prends ce qui te convient, et tu peux toi aussi, hein, te la noter, cette citation, et puis la méditer, y réfléchir. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter à un mot qui est comme le premier qui nous apparaît dans cette citation, le mot « distance ». Il y a la même distance. Pris dans son contexte, on pourrait croire, surtout quand il dit que c'est la même distance qu'entre nous-mêmes et Dieu, cette distance, elle est infinie, qu'elle est infranchissable. Et on pourrait croire, hein? J'aime à penser que, de fait, la distance qu'il peut y avoir entre Dieu et nous, c'est une distance d'éternité, hein? Une distance infinie, qu'il nous faudra l'éternité pour parcourir. Et on pourrait croire que, de fait, ça va être juste des « wow », hein? Dans ce chemin, ce périple infini, ça va être un « wow » éternel, qu'on a déjà commencé d'ailleurs ici-bas, de surprise en surprise. Et puis, où les masques tombent, les illusions tombent, et puis, c'est un chemin de transformation. Et parce que c'est un chemin de transformation, je ne veux pas parler de souffrance, parce qu'en Dieu, il ne peut pas y avoir dans l'éternité bienheureuse de souffrance, mais il va y avoir des masques qui vont tomber, des illusions qui vont tomber. Ça va être de la vérité pure, de la découverte de la vérité pure, du bien pur, de la beauté pure. Si tu as lu ma lettre du mois d'août, hein, le Dieu bien beau, vrai. Mais je crois aussi que Zundel, dans cette citation, veut parler aussi d'une distance, pas infinie, mais une distance de proximité. Dieu nous est si proche que nous pouvons l'être à nous-mêmes. Ah, bien évidemment, si tu te cherches depuis longtemps, tu peux penser que ça peut être infini. Mais en même temps, il y a aussi cette proximité si proche que parfois on ne la voit pas, comme si elle nous était trop collée. Et ça, c'est la proximité de Dieu. On le cherche partout, mais il est au-dedans, Dieu. À la semaine prochaine sur les chemins du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur parce que je t'aime et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un bracelet qui est autant pour homme que pour femme. Il est orné d'une belle croix. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas, c'est hypoallergène. Et comme toujours, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je veux vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour cette nouvelle, on est dans la nouvelle saison de la Victoire de l'amour, la 27e saison. Imaginez comment le temps passe vite. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi, en faisant votre don, vous êtes aussi des défenseurs de la foi, parce que dans le monde dans lequel on vit, on a besoin de défendre notre foi. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, un bracelet pour hommes et femmes. Il est orné d'une belle croix et ce bracelet est en acier inoxydable et il est déjà béni. Et merci de tout cœur de donner des mains à la Providence, parce que sans vous, sans votre prière et sans vos dons, cette émission ne pourrait pas exister depuis autant d'années. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver après tant de mois d'absence, mais la COVID, hein, c'est comme ça que ça ravage des choses. Aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus est dans Saint-Luc. Jésus disait à ses disciples, « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi et qui écoute mes paroles et qui les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé très profond et il a posé des fondations sur le roc. Quand il est venu l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui a écouté sans mettre en pratique ressemble à l'homme qui a bâti sa maison, à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt, elle s'est effondrée et la destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Jésus nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et que vous ne mettez pas en pratique ce que je dis? » Mes amis, qu'est-ce que c'est que Jésus nous dit? Quand on regarde Jésus, dans toutes ces 3 années de ministère, il n'a pas cessé de nous donner de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il nous dit, mais aussi, est-ce que nous les mettons en pratique, ce qu'il nous dit? Ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse se laisser envahir par ces paroles de Jésus, quelques paroles que j'ai choisies dans son ministère, pour que nous puissions nous poser des questions chacun et chacune, sur notre façon de vivre ces paroles de Jésus. Tout d'abord,
On demande à Jésus, « Quel est le plus grand commandement? » Jésus répondra, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements ne font qu'un. » Donc, mes amis, on ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Saint Jean disait, « Si tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu détestes ton frère que tu vois, tu es un menteur. » Commence par aimer ton frère et après ça, tu pourras dire que tu aimes Dieu. Quel est le plus grand commandement? C'est sûr, l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même. Mais Jésus nous amène un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Aimez comme Jésus, c'est-à-dire accepter d'aller jusqu'à donner sa vie pour nos frères dans le quotidien de nos vies, comme font certains pères de famille, certaines mères de famille, des médecins, des gens, des travailleurs sociaux. Tous ces gens-là donnent leur vie au quotidien. Jésus nous dit « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. » Saint Isaac le Syrien disait « Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au jour où tu sentiras en toi la miséricorde que Dieu a pour toi et pour le prochain et pour le monde. » De quel côté penche notre balance, mes amis? Vous avez appris, nous dit Jésus, qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. C'est comme ça que vous serez comme votre Père miséricordieux. Jésus nous dit aussi, si tu veux être mon disciple, tu dois porter la croix et me suivre. Et porter sa croix, c'est porter la croix des difficultés du quotidien. Est-ce qu'on arrive à porter nos croix dans la résignation ou si nous arrivons à la porter dans l'amour? Mes amis, nous devons essayer de méditer chacun et chacune ces paroles de Jésus et essayer de les mettre en pratique dans le quotidien de nos jours, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain comme soi-même, et d'aimer comme le Christ nous aime. Il nous dit, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de demain, une émission spéciale d'une durée d'une heure, donc de 12h30 à 13h30. C'est l'émission de la rentrée et je suis tellement content d'avoir avec nous René Martel, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu, qui va chanter avec notre ami Paul Darèche. Ils font plusieurs chansons et je trouvais que c'était une belle façon de commencer notre nouvelle saison. Miguel vient nous présenter également la nouvelle chanson thème de la Victoire de l'amour, une chanson absolument magnifique. Et on aura notre amie Geneviève qui sera avec nous. Et je vous dis tout de suite, Geneviève, elle n'est pas là pour rien à la rentrée. Il y aura, vous allez voir, elle a quelque chose à nous annoncer. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Et moi, je vous attends demain pour une émission d'une heure. Bye! Alors, c'était la chimio, la radiothérapie et la mastectomie. Bon, ben, allons-y. C'est pour toi qu'il chante sa chanson, c'est grand amour.